Top départ pour la première étape du Silkway Rally 2018, mais cette première journée se révèle laborieuse pour de nombreux participants. Après 7 mois hors compétition, Nani Roma, qui s'est sentie mal à 4 reprises, a dû abandonner aujourd'hui et espère malgré tout reprendre dès demain. Au volant de sa vrombissante Toyota, Nasser Al-Attiyah sort vainqueur de cette première étape. Il dépasse de peu les autres sur les 100 premiers kilomètres et conserve une petite avance. Mais le départ de Harry Hunt au volant de sa Peugeot Maxi impressionne aussi. Il perd quelques précieuses minutes après crevaison, mais réussit quand même à reprendre de l'avance sur la fin de l'étape. Dans la catégorie camion, Kapotnik commence fort, mais la bête de Nikolaev a d'abord des soucis avec le compresseur du système d'air, puis enchaîne 2 crevaisons. En prenant son temps, Sotnikov remporte la première étape dans son Kamaz. Ses concurrents ont enchaîné les contretemps et lui ont permis de prendre la première place. Van den Brick a aussi été parmi les malchanceux du jour et a permis à Vjazovic dans sa masse de le devancer de 6 minutes.